Le conseil est ouvert. On écoute celui qui a le bâton de parole. Les gêneurs seront exclus au bout de 3 avertissements. Le tour météo. Ceux qui sont satisfaits font le soleil doigt écarté. Et ceux qui sont moyennement satisfaits pour le nuage point fermé. Ceux qui sont pas du tout satisfaits font le nuage, font la pluie moins vers le bas. Bah moi je suis assez satisfait parce que à la cantine, à la création de la cantine, on n'a pas le droit aux ballongeurs alors qu'avant on avait le droit et je comprends pas trop en fait. C'est pour te répondre, c'est qu'en fait Claudine elle m'a expliqué, c'est parce que les maîtresses quand ça tape sur les vitres, ça fait trop de bruit. Oui, ben même quand par exemple, quand on est dans la récréation, ben, aussi on des fois on n'a pas le droit. Si on se prenait dans la tête, ça faisait mal. Moi, je suis d'accord avec Lila. Les ballons, on peut les recevoir quelque part et puis s'en faire esprit et puis s'en se rendre compte. Oui, ben aussi, mais moi, en fait, ma demande, c'est aussi d'avoir des ballons qui sont pas durs, qui sont mous et pliables, comme Romane l'avait amené une fois. Elle avait amené un ballon mou et on avait droit. Moi j'ai une idée, c'est qu'on achète des ballons durs, puis qu'après on les dégonfle un peu pour comme ça on peut les jouer. Non, mais c'est pas obligé que tout le monde en achète. Non, puis il faut simplement, si on veut, pas les dégonfler, mais en acheter des mous. Mais Rebecca, le problème, c'est que nous, on veut des ballons durs parce que les mous, ils volent. quand on veut tirer dedans, ils volent, alors que les durs, ils restent par terre, donc c'est mieux. Il y a moins de ballons qui passent de l'autre côté. Le dernier m'a enlevé. Oui, mais Fanny, en fait, le maître, en fait, je lui ai demandé que si je dégonflais mon ballon, bah, est-ce que je pourrais le prendre. En fait, il a dit non, parce que ce qui le gênait, c'était la matière, il ne fallait pas de ballon en cuir. Alors, si je comprends bien, il ne faut pas de ballon léger parce qu'il s'envole. D'accord. Alors, tu disais ballon dur, mais c'est plutôt des ballons lourds qu'il ne s'envole pas. Alors, je ne crois pas que ça vienne plus de la matière. Peut-être que là, il faut que vous trouviez.
trouviez une solution ou une proposition que vous puissiez faire au directeur pour voir ce qu'il en pense et en rediscuter avec lui. Alors, il y a eu aussi une proposition d'acheter des ballons. Il faut arriver à trouver une solution ou alors le reporter peut-être au prochain conseil, etc. Prochain conseil. Décision du dernier conseil. On arrête la vente de sous-verre jeudi. Lors de la vente, Quentin dit la maîtresse. C'était vendredi dernier. Lila, maîtresse et moi, on a calculé la vente des sous-verres et des petits livres. Et on a eu 300 euros et 90 centimes. Organiser le marché des connaissances pour la fête. La maîtresse des moyennes sections et des grandes sections demande un parcours. Peut-être que tout le monde va être un jour où tout le monde va faire une grande fête et qu'on va être le parcours et qu'on va être à la fête. Mm-hmm. Avec j'aimerais pouvoir essayer de trouver ce que je voulais dire et moi je suis d'accord avec l'idée de Romain qu'on plonge la main dans la farine et qu'on mette un objet à retrouver. Moi je propose une autre activité, c'est la pêche aux jouets. On a une bassine, il y a des jouets et on les enveloppe de journaux. Et on essaye de les attraper avec une sorte de ficelle, comme la pêche au canard. Je trouve que c'est quand même une bonne idée, l'idée d'Isa-Marie, faire un tableau et chacun mettre ses jugés, parce que là, on n'a pas forcément toutes les idées qui nous viennent à l'esprit. Faire un vote. Déjà. Ceux qui sont satisfaits de l'idée de Lisa Marie, faire une grande affiche et que tout le monde mette ses idées de parcours. Et ceux qui sont d'accord avec l'idée de Romane, de mettre une bassine de farine et trouver d'eau et de farine. Non, j'ai dit non pour l'eau. J'ai dit plusieurs fois, j'insiste. Ben, que la farine ait trouvé quelque chose dedans. La majorité. Et la pêche aux jouets. On relit les décisions. Ceux qui mettent leur étiquette sous celle des autres arrêtent. La maîtresse demandera aux autres classes pour la date du giga-conseil. On vendra le reste des petits livres à la kermesse. On fera une grande affiche pour les idées du parcours. On mettra une bassine de farine pour retrouver un objet. On organisera une pêche aux jouets. Lila et Andrea feront le tableau pour le giga-conseil. Les remerciements et les félicitations. Moi, je félicite Lise et Quentin parce qu'ils ont bien géré le conseil. Et Lise, une deuxième fois, parce qu'elle a bien géré le temps aussi. Et je remercie Isa-Marie parce qu'elle a trouvé une bonne idée pour la fin d'année. Et puis, grâce
grâce au tableau, grâce au tableau que tu as trouvé ton idée, on va pouvoir tous mettre du nôtre. Je te remercie parce que tu m'as fait des tours de magie pour l'atelier qu'on va faire demain. On va faire le tirage au sort pour ceux qui vont devenir animatrices et secrétaires. Rebecca sera animatrice et Juliette secrétaire pour le prochain conseil. Le conseil est fermé.